Bonjour les lions, signe lunaire, signe solaire en lion, signe lion, signe ascendant lion, ce tirage est pour vous. Merci de liker si cette vidéo vous parle. Pour une question qui a 10 euros la question, voyanteolivier@gmail.com. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez également me faire une donation, voyanteolivier@gmail.com. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous parle, ce qui permettra d'avancer ma chaîne. Voilà, donc les lions. Nous commençons tout de suite pour vous, les lions, avec l'oracle des sorcières. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc ce sera du 9 octobre au 9 novembre, les lions. Tenir bon par rapport à une situation de réussite et l'argent. Par rapport à un contrat professionnel, on me parle de tenir bon et de magicien. Alors ici, on me parle de tenir bon par rapport à un contrat professionnel, par rapport à de l'argent, et que ça va vous mener quelque part, qu'il y a quelque chose qui va vous réussir. Avec le magicien, on me parle de réussite, hein, dans le professionnel ou dans le milieu financier, hein. Il y a quelque chose que vous avez, ça a été dur, hein, ça, vous êtes vraiment sur le point d'une réussite et vous avez tenu bon par rapport à ce contrat, par rapport à ce professionnel. On me parle d'une rentrée d'argent et que ça va vous faire plaisir. On me parle peut-être aussi d'un contrat professionnel qui va vous faire plaisir, quelque chose à laquelle vous avez tenu bon. Par rapport à ce contrat professionnel, il pourrait y avoir une association. Peut-être que vous allez fêter quelque chose, les lions. C'est quelque chose qui vous mène à la victoire. Peut-être que vous allez passer supérieur au niveau professionnel, hein. Il y a une victoire par rapport aux rentrées d'argent, les lions. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est une victoire au niveau professionnel, une victoire au niveau argent. Vraiment, ici, vous avez une victoire par rapport aux finances. Avec le soleil, hein. Peut-être que vous signez un CDI. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle que de travail, les lions. Là, ici, vous signez un CDI, c'est possible, avec la reine de deniers, c'est quelque chose qui est en long terme, ou alors vous passez supérieur, hein, vous passez patron, patronne, peut-être que aussi vous êtes reconnu, peut-être que vous êtes reconnu par quelqu'un, un établissement, et peut-être que vous êtes sollicité, que vous recevez quelque chose, une prime ou un cadeau, quelque chose, ou alors un contrat signé, et ça vous fait plaisir, et c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. C'est ou alors vous montez en grade, les lions, chef d'entreprise ou chef d'équipe, ou vraiment vous montez en grade avec le soleil. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous au niveau professionnel, au niveau financier. Du passé, quelque chose du passé. Bon, on peut me parler aussi d'un déplacement que vous allez faire, les lions. C'est par rapport peut-être à quelque chose du passé, peut-être quelque chose à régler. Vous allez faire un déplacement, hein, ou peut-être alors qu'il y a peut-être un achat de véhicule. Il y a peut-être quelque chose qui vous a mis mal à l'aise par rapport à un véhicule, hein. Peut-être qu'un véhicule est tombé en panne du jour au lendemain, vous n'y êtes pas attendu et je vois une dépense pour un véhicule. Ou alors une dépense pour un déplacement. Il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir aussi. Ou quelqu'un. Je regarde.
Ouais, vraiment un nouveau départ professionnel, hein. Ça fait que me dire ça, hein. L'ASDP, c'est vraiment un nouveau départ professionnel, hein. C'est quelque chose de signé, d'engagé, hein. Est-ce que vous faites des déplacements, hein, par rapport à ce contrat professionnel? C'est possible aussi. Et ça vous donne vraiment une rentrée d'argent. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Les lions, ça n'arrête pas de ressortir, hein. Il y a peut-être un signe d'eau à qui vous avez mis une fin. Poisson, scorpion ou cancer. Quelque chose ou quelqu'un du passé avec qui vous avez mis fin. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Est-ce que c'est un partenaire avec qui vous avez mis une fin? Ou un ancien contrat avec qui vous avez mis fin? Peut-être que le patron était signe d'eau, vous le savez peut-être forcément pas, et il y a un nouveau contrat. Bon, pour moi, il y a quelque chose de stable, hein. C'est un CDI. Si c'est pas un CDI, ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie pour vous proposer quelque chose de stable. Hein. Quelqu'un que vous avez connu pendant un petit moment, j'ai l'impression. Par contre, faites attention par rapport à ce travail ou cette personne du passé. Il y a une surcharge. Hein. Peut-être que vous vous sentez quand même fatigué, les lions. Je vois de la fatigue. Quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a une blessure du passé. Et que vous avez du mal à vous remettre de quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé aussi. Hein. Le lion qui est déterminé. Il y a quelqu'un du passé. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un ex? Peut-être que quelqu'un du passé pourrait ressurgir ici d'un coup, faire un déplacement pour vous voir. Ou alors, vous souhaitez revoir quelqu'un du passé. Est-ce que c'est la famille, un ex, un enfant? Je ne sais pas. Et c'est un vœu que vous souhaitez. Moi, je vous vois quand même vous déplacer pour voir quelqu'un du passé. Hein. Quelqu'un du passé que vous allez revoir, les lions. Allez, on continue avec l'oracle des maisons de sorcières. Bon, il y a vraiment une association par rapport à un travail. Vous allez vous associer. Une formation. Peut-être aussi que quelqu'un du passé revient, c'est quelqu'un qui vous avait mis dans un triangulaire, c'est quelqu'un qui n'était pas disponible ou c'est peut-être un enfant qui ne vous donnait plus de nouvelles parce qu'il a refait sa vie, il a fait sa vie ou... Mais j'ai l'impression que quelqu'un revient du passé, hein, ça n'arrête pas de ressurgir. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous donnait plus de nouvelles, quelqu'un qui était en mode stop, hein. C'est quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir, hein, qui vous a bloqué, hein, peut-être sur les réseaux, sur... par messagerie et cette personne pourrait ressurgir. Il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne hein, hein, pour vous les lions. Vous aviez eu du mal à dormir par rapport à cette situation. Hein. Bon, il y a vraiment encore une rentrée d'argent, ça n'arrête pas de le ressortir. Il y a vraiment quelque chose, il y a un succès par rapport aux finances. Bon, il y a quelqu'un qui souhaite quitter une situation, vous souhaitez peut-être quitter une situation, peut-être on est dans un blocage hein, par rapport au sentimental. Peut-être qu'il y aura un amour naissant pour vous, les lions, mais que cette personne devra quitter une situation. Hein, ou alors il y a un amour, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose à travailler pour eux. On dit que la vie de couple, c'est arroser tous les jours, ça arrose. Et là, j'ai l'impression qu'il faut arroser pour que ça ressurgisse, en fait. Bon, il y a peut-être aussi une question de déménagement ici. Peut-être que vous allez déménager, refaire votre appartement, refaire votre maison. Vous souhaitez acheter ou vous souhaitez louer. Une question de prendre soin de vous, d'esthétique, de coiffeur, d'habillement. Il y a une question de prendre soin de vous également. Mais par contre, la fatigue ressort. Hein. Je revois la fatigue. Donc c'est un message en fait. Hein. On me dit de prendre soin de vous parce que vous êtes fatigué, les lions. Vous êtes fatigué. Hein. Bon, il y a un anniversaire qui approche pour vous. Il y a une fête, quelque chose à fêter où vous allez être invité. Quelque chose de festive, on va vous offrir quelque chose, j'ai le sentiment. Alors, c'est une récompense ou une prime de Noël, pourquoi pas. Vous souhaitez couper quelque chose, hein. Ou alors il y a quelque chose qui a été coupé avec une personne du passé.
J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est dans votre tête, hein. Ça peut être quelqu'un qui est quand même assez charismatique, un chef, ou il y a quand même quelqu'un qui peut être trotté dans votre tête. Soit quelqu'un trotte dans votre tête, ou soit vous n'aimez pas quelqu'un, c'est peut-être un supérieur, hein, et vous entendez pas du tout avec. D'ailleurs, je vois ce personnage qui fait cette grimace ici, là. Alors peut-être que vous entendez pas avec un supérieur ou une supérieure, ou soit vous avez un flash pour quelqu'un. C'est l'un ou l'autre. C'est à vous d'adapter, hein. On parle que cette personne connaît du monde, hein. 9 de coupe, il y a un vœu. Il y a peut-être le vœu de rencontrer quelqu'un aussi sentimentalement pour vous, les lions, hein, en étant célibataire. Il y a ce vœu que vous avez de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien. Pour la personne célibataire, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez plus, hein, avec la mort. Hein, j'ai l'impression que pour vous, c'est mort, vous n'y croyez plus, hein, en ça. Hein. Peut-être que vous refusez de croire à nouveau à l'amour, hein, à l'amour pour les personnes lions célibataires. Hein. Peut-être que vous refusez de croire à l'amour, à nouveau à l'amour. Hein. Ou vous refusez de croire que quelqu'un revient ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Allez, on continue avec Alice au pays des merveilles, les lions. Alice au pays des merveilles, s'il te plaît, dis-moi pour les lions pour octobre 2023. Que va-t-il arriver ensuite? Oui, sentimentalement, vous avez un peu peur. Pour un célibataire, je pense que vous vous dites que l'amour, c'est plus pour vous, que ça n'arrivera plus, que... Ouais, vous vous dites que l'amour n'est plus pour vous, que le message, vous ne l'attendez plus, que cette personne, vous ne l'attendez plus. Vous n'y croyez plus. Pour les lions célibataires. C'est un peu comme si on vous avait donné une leçon de vie par rapport à quelque chose du passé. Il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues aussi. Ça peut être une mère, une sœur, une belle-mère. Peut-être qu'il y a une fille aussi, une ado avec laquelle c'est un peu compliqué en ce moment. On me dit de rester comme vous êtes et de continuer à briller parce que j'ai l'impression vraiment au niveau travail, indépendance, c'est vous, enfin, vous réussissez quand même quelque chose. Même si c'est pas pour le mois d'octobre, je vois pas l'amour hein, qui est là. On apprend à grandir. Ouais, il y a quelque point célibataire, il y a quelque chose du passé qui s'est arrêté et ça vous a fait du mal hein, pour les lions célibataires. Hein. Je vais essayer de faire les lions en coupe. J'ai l'impression que les lions célibataires, vous n'êtes pas dans ce truc pour le mois d'octobre, que vous êtes beaucoup plus dans le milieu travail et financier. Hein. Les lions en couple. Ouais, oublie qui tu es. Les lions en couple, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que vous vous êtes oublié un petit peu. Votre couple, en fait, c'est une routine, hein, vous voyez? Vous êtes un peu rentré dans une routine. C'est boulot, dodo, métro. On parle du temps qui passe. Le courage. Vous gardez le courage hein, en couple hein, quand même, mais il y a peut-être eu le temps et vous êtes rentré dans une relation un peu de routine, hein, vous voyez. Il y a peut-être un manque de quelque chose, hein, de poison. Il y a un manque de complicité, j'ai l'impression. On me dit que tout est dans la conception. Il faut redonner du peps à votre couple, hein, de la couleur à votre couple. Que va-t-il arriver ensuite? Vous avez peur, hein, même les lions en couple, vous avez peur de ce qui va arriver demain.
sentez que quelqu'un est distant ou alors vous êtes distante. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes un peu triste, orageux, vous mettez en colère pour rien, les lions. Vous êtes dans une période où je pense que c'est un mois où il faudra pas trop vous chauffer. Je vous vois un peu sur la défensive, hein, les lions. Je vous vois sur la défensive pour ce mois d'octobre, même en couple. Hein. Un éveil. Ouais. Mais vous allez peut-être vous allez peut-être vous dire qu'il manque de la couleur dans votre couple. Hein. Je pense que c'est un mauvais passage, hein. Mais ça va reprendre. Hein. Ça va reprendre. Et ça, il y a quelque chose qui va vous mettre dans les émotions. Vous allez vous rendre compte que à un moment donné, peut-être que vous avez été un peu trop fatigué et du coup sur la défensive, ou si c'est pas vous, c'est la personne en face, hein, ça reste interchangeable. Peut-être que vous allez mettre fin au fait que vous étiez un peu sur les nerfs, fatigué. Peut-être que vous allez remettre un peu de couleur dans votre vie de couple pour fin octobre. Voilà ce que j'ai pu vous dire, les lions. Si cette vidéo vous a parlé, merci de liker. Et sinon, bah, bon mois d'octobre. Au revoir.